Donc voilà la route que nous avons empruntée et que nous allons reprendre dans l'autre sens parce qu'ensuite il y a un petit village et ça me fait faire un détour assez long. Voilà. Bon, vous êtes prêts en redescendre? Allez, accrochez-vous, on va essayer de pas aller dans le décor. Faire moins en paysage, je vais essayer de vous un peu plus haut. Voilà, alors là vous devez voir la route où on va, peut-être pas trop. Là, vous allez voir la route, voilà, la route où nous allons. Changement de point de vue parce que quand même on voit pas ça partout, hein. On ne voit pas ça partout. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Alors on reprend la route. J'ai fait une bonne partie. On va retrouver une route moins mouvementée. J'ai l'impression que ça ne devrait pas rendre mal, ça. Je fais pas de tune parce que je me dis qu'elle est... La caméra va enregistrer un coup de klaxon alors. Regardez-moi ce paysage. Hein? C'est-il pas beau. Là, regardez, un moment d'enregistrement. Hein? C'est une visiteuse régulière qui me disait pourquoi tu fais des petits films, mais là... Là, c'est le long métrage déjà. C'est le long métrage, mais je pense pouvoir le reprendre maintenant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau la Drôme provençale, la Drôme provençale. Hein? Je crois que je vais arrêter là parce qu'après, c'est mes capacités d'ordinateur qui vont flancher. Non, on n'est pas d'Amérique là. C'est pas le Grand Canyon du Colorado. Alors on va aller jusqu'à ce virage et après j'arrêterai la caméra. Regardez-moi ça. Hein? Me dites pas que c'est pas joli quand même. Ah, on va prendre encore ce virage, c'est là que je me suis arrêté tout à l'heure et ensuite je coupe.
Pause publicité. Ah, ça c'est un bruit que je... Et voilà, et on va s'arrêter là. Voilà, la Stilbe. Le plan vient de par ici. Le bruit, c'est indépendant de ma volonté. Et voilà le village. Derrière ce petit mur fleuri.